Bonjour à tous, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo interview donc avec l'Africa, donc producteur, enfin éleveur, producteur donc, et en même temps revendeur d'alimentation avec les insectes. Voilà, donc on est producteur transformateur, c'est-à-dire qu'on va élever les vers de farine et on va les transformer pour créer des produits apéritifs ou de gastronomie destinés à l'alimentation humaine. Ok, et t'as pas que les vers de farine, t'as aussi, je vois là, des criquets, il y a des grillons. Voilà. On cuisine aussi les grillons et les criquets qui ne sont pas élevés chez nous, mais qui sont achetés à des agriculteurs partenaires. Voilà, agriculteurs, donc ils font ça pas pour les reptiles, qui font pour justement l'alimentation humaine. Voilà, pour éviter qu'il y ait plein de trucs, de médicaments rajoutés au... Voilà, et que l'alimentation soit suivie avec une traçabilité sur l'alimentation. Voilà. Il y a des normes dessus ou... Alors, il n'y a pas encore de normes. Par contre, on a des bases sur lesquelles on va étudier par rapport au niveau bactériologique, par exemple. C'est la bactério qu'on va retrouver sur le produit final afin qu'il n'y ait pas de risque pour le consommateur. Oui, il y a certains critères quand même éthiques, on va dire, déjà mis en place. Voilà, c'est des normes, des guides de bonne conduite et des normes d'hygiène. Voilà, tout simplement. Et donc là, en fait, tu essaies de créer des saveurs, mais donc avec, tu as des cuisiniers, tu as des personnes spécialisées, des personnes impliquées dans le projet, on va dire. Dans notre atelier agroalimentaire, donc on a un apprenti en spécialisant le développement de produits en agroalimentaire, donc qui a déjà travaillé dans des cuisines de restaurants et qui sait vraiment... Qui a une certaine expérience et qui sait créer des goûts, qui sait créer des saveurs, qui sert créer de la gastronomie à la française. C'est ça. Et en plus, on a la chance d'être pas très loin de Lyon. Donc, on s'appuie aussi sur des chefs cuisiniers lyonnais qui nous permettent d'avoir des conseils, voire même qui viennent élaborer avec nous des produits. Qui commencent à s'investir dans la nouveauté, en fin de compte, et développer un peu le produit. Par exemple, la terrine d'insectes gastronomique qu'on t'a fait goûter. Qui est magnifique, d'ailleurs. Merci. Magnifique. Mais c'est vrai qu'elle est... Et elle a le goût qui ressort vraiment, puis c'est une terrine qui je trouve assez légère. En plus, sur les petites porte-pain, c'était franchement un délice. En apéro, c'est vraiment pas mal. Même quand on voit rajouter cette terrine, c'est d'avoir une terrine qui soit écologique, parce qu'élever de l'insecte, c'est plus écologique que d'élever du bétail. Tout à fait. Et puis, diététique, puisqu'on n'a pas de matière grasse saturée. T'as beaucoup d'apport de protéines dû à l'insecte également avec. Oui, voilà, c'est beaucoup de protéines, très peu de matières grasses saturées, et on va aussi retrouver un côté gastronomique, puisque ça a été travaillé de manière gastronomique, en cuisine artisanale. C'est du bio, made in France. Après, on peut dire ça comme ça. Un peu spécial, parce que oui, ça reste quand même de l'insecte. On mange pas forcément tout le temps du criquet, du grillon, du vert de farine. C'est de la gastronomie française, mais avec un ingrédient insolite. Ça donne un petit apéro effet collantin, on va dire. En gardant une touche gastronomie française de l'époque, enfin de l'époque, on peut dire ça comme ça, quoi. Donc ça change un peu de ce qu'on peut trouver en import, là, parce qu'on trouve quand même pas mal de revendeurs d'insectes comestibles. Mais c'est pas eux qui les préparent, ils commandent et ils reçoivent les boîtes et ils les revendent. On a tout intégré en interne. Voilà, c'est toi qui prépares, c'est vraiment du Made in France sur la base française de la gastronomie. C'est ça. Voilà. C'est vraiment une bonne chose. Donc, ça fait combien de temps que tu as lancé tout ça? Moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis sur le projet. Ouais. Et on a commencé à lancer nos produits en septembre 2015. Ah oui, donc ça reste quand même récent. Mais après, c'est vrai que c'est un marché qui se lance, en fait. Ouais, c'est en émergence. C'est en émergence. Les gens font beurre, machin, mais ils reviennent quand même. Et des fois, ils se lâchent, ils y vont et ils sont surpris. Donc, c'est un bon effet. Ensuite, on ne peut pas prendre 2 kilos non plus avec ça. Donc, comme tu m'expliquais avec les cookies, ça fait un peu comme le régime du camp, comme tu disais, les protéines. En plus, c'est les cookies coupent fin. Donc, c'est vrai que ça aide un petit peu quand on est par exemple au travail, qu'on a super la dalle, on mange un cookie. Ça nous permet de ne pas avoir faim pendant un certain temps. Et avec les protéines, d'avoir l'énergie nécessaire, donc pas forcément pour toute une journée complète, mais au moins on peut tenir plusieurs heures. Ça donne un petit boost. Donc, c'était tout l'intérêt du cookie. Là, on allait chercher chez l'insecte le côté nutritionnel. Voilà, le bon côté de l'insecte. Pas le côté on voit les yeux machin. Non, puisqu'il est broyé donc on le voit pas. Voilà. Et encore même là sur du grillon, on est plutôt. C'est du petit grillon, donc on est plutôt tranquille aussi. On n'a pas. Si on le mange comme ça sans regarder, on voit pas forcément que c'est du grillon. Bon après avec le criquet c'est beaucoup plus gros. Là ça ment pas. On voit les yeux. Donc tu nous conseillais quand même quelque chose tout à l'heure, donc avec la tequila donc, et le criquet. Oui voilà, puisque là on a des criquets enrobage framboise aux éclats d'amande torréfiées qu'on va pouvoir utiliser soit en apéritif soit en dessert. Ouais. Et ce qui est vraiment sympa, c'est autour d'une table à l'apéro, un shooter de tequila chacun, un criquet chacun, et ça vous fait un criquet de paf.
Parfait quoi. Pour l'apéro. Parfait pour les jeunes qui veulent prendre un bon apéro et même les plus anciens d'ailleurs. Voilà. Parce que c'est vrai que tu as tout type de clientèle en fin de compte. Tu as eu des femmes, des hommes, des enfants, des personnes plutôt âgées, des personnes dans la force de l'âge, on peut dire ça comme ça. Tu as eu un peu de tout quoi. Ça séduit un peu tout le monde. En plus, tu fais goûter un petit peu, donc comme là, des verres de farine. Donc ça permet aux gens de, bah, qui veulent essayer de se lancer sans forcément acheter une boîte complète quoi. Et c'est vrai que peut-être le côté gastronomique de notre projet fait que toute personne, même un peu plus âgée, va pouvoir être attirée par ce genre de produit. Bon. Voilà, ça attire un peu tout le monde. Puis en plus avec des émissions comme Koh-Lanta qui aide un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'ira pas jusqu'à manger un gros verre bien gluant non plus. Koh-Lanta, je sais pas si ça nous aide, mais parce que c'est vrai que les gens sont plutôt répugnés. Ça aide au folklore du truc. Après, c'est vrai voilà, que quand on voit entre la différence entre donc Koh-Lanta et le et là où on n'a pas le de verre vivant, gluant, et là c'est donc c'est du séché en fait tout simplement. Voilà. C'est déshydraté. Et qui se mange très bien au passage. Et ça croustille. Voilà, donc là c'est hautain, c'est ça. Hautain, ouais. Voilà. Mais tu as d'autres saveurs donc au passage. Ouais, on en a aux champignons cèpes, on en a vraiment pour tous les goûts. On a par exemple un piment fumé qui est vraiment génial avec un celui d'hier notamment, oui. Donc, voilà, fumé barbecue, que avec je recommande, une vague de picotement passage, qui arrive. Ouais, c'est. Ça fait, oui, ça fait une petite vague de saveurs. Ça fait un peu comme dans certaines pubs, il y a eu de vendre du chewing-gum et ça part, tu prends une claque de frais, ça fait voilà. Un peu dans le même style. On a une vague de picotement qui arrive après voilà, 6-7 secondes, ouais. C'est vraiment pas mal. Est-ce que tu as un site internet où on peut commander tout ça? Alors oui, vous allez pouvoir retrouver nos produits et toutes les informations sur comment on élève les insectes et comment on les prépare sur lafreca.fr. Voilà. Donc L-A-F-R-E-C-A. Et dessus, voilà, et on aura aussi un petit blog où on va rentrer plus en détail pour ceux qui cherchent plus d'informations. Voilà, sur peut-être, partager des petites recettes un peu spécifiques. Voilà, oui. Et sur Facebook aussi, on a aussi quelques dialogues avec notre communauté pour créer des nouveaux produits toujours innovés. C'est vrai que si on peut faire des petites tartines, enfin des petits toasts avec des oignons, si ça passe moins bien avec le fromage et mieux avec la tomate, autant bien le conseiller. Voilà. Voilà. Et ça reste donc du gastronomique tout à fait. C'est ça. Bah c'est en plus c'est. Des produits sont pas forcément accessibles, donc là c'est 5€, là c'est 7,50€, les cookies sont à 2€. Ouais, le but c'était d'être quand même accessible. Accessible en termes de prix, accessible en termes de goût, c'est accessible en termes de conseils, parce que j'étais quand même un peu embêté pendant 2 jours. Donc t'as résisté, c'est bien. Mais voilà, après c'est ça change de ce qu'on peut acheter dans d'autres vendeurs qui font des prix où c'est 14€ parce que c'est la nouveauté, machin. Toi tu restes vraiment dans les tarifs qui sont corrects. Donc c'est vraiment pratique. Bah nous on a le point de vue producteur, donc on a envie que notre produit soit consommé par les gens, découvert par les gens. Voilà, puis c'est envie d'être découvert, mais pas d'être découvert en faisant c'est un business pour profiter. Voilà, tu veux découvrir pour montrer une nouvelle manière de manger en quelque sorte. Et on espère durer du coup dans voilà. Dans la durée. Peut-être plus tard l'ouverture d'un restaurant spécial. Non, pas pour nous, mais on a des partenaires effectivement qui s'en occupent. Nous notre travail c'est vraiment l'agriculture d'un côté et la transformation dans des produits qui soient les meilleurs possibles. Des produits qui peut-être plus tard même peut-être vendu en magasin, qui sait, hein, ça pourrait arriver. Donc on est déjà dans des magasins bio et l'objectif c'est d'arriver petit à petit à être dans la plupart des magasins qu'on connaît. Voilà, des grandes distributions, machin. Mais après bon, il y a encore un peu de temps avant ça, mais c'est vrai que là, montrer là en expo, en plus ça fait un super stand que vous pourrez voir donc à la fin en bonus. Un petit stand où c'est carrément toi qui tu l'as fait faire carrément par un artisan. C'est vraiment du bon boulot, t'as pas besoin de venir mettre une nappe comme beaucoup d'exposants, c'est toi t'as ton truc déjà, c'est. Et non, ça tient dans la voiture. J'ai ça. Voilà, ça tient dans la voiture, on va pouvoir démonter et remonter dans une voiture. J'ai l'argent derrière le. Ok. Merci. Donc voilà, donc c'est les petits aléas du direct, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est des préparations des produits, donc vraiment du bio, du bon, du goût. Voilà, on est sur quelque chose de nouveau et l'objectif c'était pas de répéter les erreurs qu'on avait fait par le passé. On a tout de suite nourri nos insectes avec du bio. Nickel. Donc avec le site internet vous pourrez retrouver toutes les informations et au pire t'as une page Facebook également. Voilà. Donc l'Africa toujours. Hein, l'Africa. Voilà, où vous pouvez demander carrément des conseils et puis suivre un peu dans quelles expositions tu te déplaces. Et... Voilà, et on sort souvent des petits événements ou des vidéos qui sont assez sympas pour présenter un peu tout ce qu'on peut faire. Bah, c'est vrai qu'il y a. Faut bien présenter les produits. Alors là, c'est vrai qu'on est un peu loin, on les voit un peu de loin, mais c'est vrai que toi, sur d'autres vidéos, tu as plus des plans serrés, donc c'est plutôt sympa de voir le produit. Trouver des photos. Voir peut-être des recettes, comment les préparer. Et voilà, donc si vous retrouvez ces stands en expo, n'hésitez pas, allez-y. N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet et la page Facebook et poser plein de questions si vous en avez besoin ou déguster ou commander si vous en avez besoin aussi. Voilà, donc on se dit à une prochaine fois. Salut! Au revoir!